Ekolo na biso to bongisa yango Kongo. Kongo. Ekolo na nene to bongisa te Kongo. Tolinga na toyokana tozwalisana malamu to bongisa Kongo. Tolinga na Chers palabreurs et chères palabreuses, nous continuons toujours dans notre thématique de ces religions qui sont avant tout des religions qui ne sont pas moindres dans notre cité. On va essayer de comprendre avec notre intelligence, bien sûr, mais de briser sans doute les tabous ou les on-dit qui se réalise à travers ces religions. Parce que vous savez très bien que c'est parfois des religions qui ne sont que là pour réduire l'homme à ne pas mieux réfléchir ou sans doute à amener l'homme dans une pensée fermée. Donc j'ai la plaisance de ne pas être seul. Je vais réaliser ce direct avec celui qui se bat à apporter des explications concernant ces religions de notre cité, celui qui trouve que ce ne sont pas des sujets qu'on doit délaisser seulement aux initiés, mais c'est aussi des sujets qu'on doit amener publiquement parce que c'est important que les gens puissent prendre connaissance réellement des méfaits de ces religions ou simplement des gâchis que les gens qui sont considérés comme les messies de ces religions traditionnelles de notre cité puissent notamment mieux appréhender. Donc, je vais sans tarder recevoir mon invité, M. Nsangou, qui viendra nous expliquer point par point sur ces religions de notre cité, ces religions traditionnelles. C'est important. Donc c'est important, chers palabreurs, que nous puissions parler sur nos religions d'Afrique. C'est toujours important. C'est toujours important. C'est toujours important, c'est toujours important. C'est toujours important.
C'est toujours important. Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous êtes heureux de nous suivre. La thématique de notre direct est sans doute une thématique qui tourbillonne sur les religions traditionnelles. C'est important qu'on puisse discuter sur ces religions traditionnelles de notre cité. C'est toujours merveilleux. Donc, c'est M. Nsangou qui est mon invité, qui viendra répondre un peu à ces questions que j'ai reçues des gens concernant ces religions traditionnelles. Donc, je vais sans tarder l'ajouter pour qu'on puisse discuter avec lui. Alors, bonjour mon frère Nsangou. Rebonjour. Est-ce que le son est bon sur cet appareil aussi? Vous me recevez bien? Non, ça va. Je crois que c'était moi qui avais un problème parce que quand j'ai réécouté le direct, c'est le son était parfait. Le son était parfait. Alors, nous sommes toujours dans la poursuite un peu de notre discussion. Je crois que c'est la suite EFA. Nous allons parler de Monsieur Émile. D'accord. Qui a une religion qui n'est pas moindre au Congo. Tu pourras sans doute expliciter cela dans tes relatés. Maintenant, j'aimerais savoir le personnage, comment tu le comprends, et notamment sa religion aussi, qui est vraiment très implantée au Congo. Il faudrait qu'on puisse le signifier. Et comment expliciter cela envers nos compatriotes? Parce qu'on a pas mal des gens de notre populace qui ont un penchant envers la religion que ce monsieur a su bâtir. Alors, primo, il faut dire sur le personnage, c'est-à-dire que sur l'homme lui-même, d'accord? Parce que sur l'homme lui-même, paix à son âme, qui est mis le foie, c'est Tukwabo, il se repose en paix auprès de son divin créateur. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. Toi, tu dis déjà peur à son âme. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort, il est vivant. Non, mais en fait, il n'y a que les Congolais pour croire en ce genre de conceptions erronées, tout ça. Il n'y a que l'homme noir, en fait, qui croit en des choses sans vérifier.
D'accord? À un moment donné, je dis que Thomas, Saint Thomas de la Bible, Thomas. Thomas était un grand boudeur, Thomas. Mais ça n'a pas fait de Thomas qu'il ne soit pas saint. On l'appelle Saint Thomas. Mais nous, les non-croyants, Thomas boudait même Jésus. Jésus dit non, c'est moi qui suis ressuscité. Thomas dit non. Moi, si je ne touche pas, là où on t'avait vraiment mis les clous, mais je ne croirais pas. Nasoki na tiamo sapinanga te kote ba beta kio ba batonga nga na kunji mate ke yesa yu moto c'est quoi kana mutu la musapi ya munu na bantsonto ya ngeve mukenji mave comme ça on va me dire que je parle que la ri kana le menchi na mulembo ke ba kusa bintsonto comme ni tambula ko d'accord c'est un vrai congolais je peux parler toutes mes langues de mon pays ceux qui me taxent de tribal je ne serai jamais du coup. Nous, nous croyons, les gens croient que s'il faut croire qu'une personne est Dieu, à la limite, il ne faut jamais bouder ce qu'il dit. C'est ça, en fait, l'autre syndrome noir, ça, ce n'est pas seulement le syndrome congolais, c'est aussi le syndrome noir. Moi, M. Levan peut se lever maintenant, là, faire un direct, il dit, désormais, Dieu m'a dit que je dois sauver mon peuple, que je dois être un libérateur, j'arrête les débats musicaux. Les débats musicaux, j'arrête les polémiques, j'arrête là ma palabre, je suis devenu Dieu. Il y aura toujours un bon Congolais qui va te croire. C'est ça l'homme qu'on nomme le syndrome congolais, en fait. Sans te demander les preuves, sans te demander de justifier, de lui dire même comment ça s'est fait, non. Guy Emile Lofoy, c'est Tikwabo. Moi-même, dans mes recherches spirituelles, puisque je vous ai dit qu'en dehors d'être philosophe congo, ben, pour être philosophe congo, j'ai fait mon master et j'ai beaucoup travaillé sur. Les religions traditionnelles africaines. Et j'ai côtoyé tous ces mouvements-là traditionnels Congo, parce que quand on fait prépare une thèse, il faut les visiter. J'ai des émissions au Congo à la RTAOPH de mon vieux papa Charles, que j'ai salué malgré les combats qu'il mène en ce moment. Il connaît que, à la limite, je peux bien défendre son mouvement et bien le tailler. Et je connais la vérité parce que c'est ma thèse. C'est ces religions traditionnelles. Mais ici, je ne suis pas là en train de parler comme un chercheur, mais je suis en train de parler pour apporter la lumière. La lumière, c'est que Guy Emile Lofoy, c'était quoi? Bon, était mort. On l'a fait enterrer. D'accord? En 2002, en 2002, Yakuza, ma côté là qui est, côté à Koufa quitté. D'accord? Voilà, vous avez la photo là, où il est comme ça. Le 5 février 2002, il y a même. C'est toujours comme l'histoire de Matua, il y a toujours les aliborons, que j'ai choisi à votre terme, qui chantent cet événement comme quoi, que le soir c'est Tikwabo, c'était échappé mystiquement. C'est une chanson, vous pouvez taper sur YouTube, le 5 février. Et j'aime bien la musique en question d'ailleurs. Ces gens en question, ils aiment bien nous emballer, comme les Congolais aiment la musique, mais moi aussi je chante ça. Le 5 février 2002, ouais. Batua mabe bakota kiko bomaye. Batua mabe bakota kiko boma, papa. Vous voyez, c'est une belle chanson. Batoa ma beba nga kiko bomaye. Ma côté la kienne. Kuna, parce que le monsieur, je ne vais pas dire les causes, parce que je connais les causes. Pourquoi on était rentré pour chercher à le tuer? Les causes, ils sont là, c'est grave. Il fallait qu'il y ait un homme comme ça, c'est un homme à arrêter. Mais je ne vais pas dire pour éviter les débats politiques. Mais quand on a tiré sur lui, il s'est échappé, il a fui. D'accord? Et le monsieur, il décidera de ne plus s'afficher publiquement. Parce qu'il sait que c'est une personne, personne non grata, on dit, une personne non graciée. Si on l'attrape, il faut le foutre en prison. Mais il va manipuler les gens. Écoutez, vous viendrez me voir, je vous donnerai les cassettes. Je ferai des enregistrements. On dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse te filmer? Il dit, non, il ne faut jamais venir me voir ici avec un téléphone. Ces gens-là ont des satellites, on va savoir où je suis caché. Donc, venez simplement me voir avec l'appareil, les cassettes, c'est un peu difficile. Vous enregistrez, je vous envoie, vous partez. Au début, il était vivant, d'accord? Au début. Il était bien en vie. On le voyait, on le touchait, on parlait avec lui. On le touchait, ben oui, mais c'est une personne qui a existé. Mais lui aussi, c'est un peu... bon, lui, c'est pas comme Matua. Matua, c'est un grand leader. Matua, c'est un héros national. Matua, c'est un grand mystique. Matua, c'est notre libérateur, c'est notre héros national. Mais il n'est pas Dieu, d'accord? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas aussi un messie, non. C'est un illuminé. Mais Guy Emile, le fois c'était quoi? Bon, lui, il a fait au début les vraies idées comme Matua.
Parce que le Congo, c'est ça, le syndrome Congo. Il faut toujours copier ce que les autres font. Et il a créé aussi son association, Luzolo Amour. Cette association existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a deux Luzolo Amour. Il y a Luzolo Amour Association, où Guy Emile n'est pas considéré comme Dieu, où Guy Emile est considéré comme leur fondateur. Mais il y a toujours des branches, comme pour Matua, qui vont vous démontrer. Monsieur Hervé Maïka, c'est un matuaniste. Mais c'est un écrivain que je salue d'ailleurs, mon grand Hervé Maïka, même si on a eu des problèmes. Quand vous avez publié les livres de Monsieur Gondana, que vous n'avez pas cité le vrai auteur, on m'a attaqué au lieu de vous attaquer, mais je vous aime bien pour ce combat. Et c'est quand même être traître de publier le livre d'une autre personne sans le citer et faire paraître le livre comme si c'était pour vous. Mais je vous salue pour ce que vous faites pour les matuanistes. C'est lui qui encadre les matuanistes, Monsieur Hervé Maïka. Mais il y a des matuanistes qui ne coûtent pas Hervé Maïka, lui qui a la matière grasse, la matière, tout ça, sur Matua. Quand il dit, par exemple, que Matua n'était pas un dieu, il était un homme intellectuel. Ah non, 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 c'est un traître. C'est ça le problème, tout ça. Et Guy Emile aussi, c'est la même chose. Il avait créé une association. Guy Emile vivait à Vungu. Il était un couturier. Moi, mon grand-parent, c'est fut l'ami de Guy Emile. Mon beau-papa, s'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que la grande sœur de ma maman, son mari, fut l'ami intime de Loufoy Sitigwabo. Il m'explique, non, Loufoy, il avait créé son association. Et il est membre de cette association. Mon papa, le petit frère de mon papa, est président de cette association-là au Congo. D'accord? Mais quand il a commencé, c'était une association, Luzolo Amour, ça dit que l'amour, on va s'entraider. Mais à un moment donné, comme pour tout Congo, tous les Congos, en fait, se croient dotés d'un certain pouvoir mystique. C'est ça le syndrome Congo. Il se croit toujours avoir une mission spirituelle. Il va commencer les enseignements pour dire que non, Dieu n'est pas blanc, Dieu est noir. Oh. C'est-tu, qu'est-ce que tu commences à raconter là? Oui? Non, mais Dieu est noir. Et ce fut un grand intellectuel, Loufoy Sitigwabo. Il va commencer à démontrer que le blanc nous avait menti. Le jardin d'Éden, c'est au Congo. C'est le Congo Brazzaville. Le jardin d'Éden. Oh. Non, Adam et Ève étaient des noirs. Jésus n'était pas fils de Dieu. Jésus avait une femme qu'on appelait Marie Magdala. Il commence à bouleverser un peu la foi des gens, voyez. Oh, Jésus avait une femme, oh oui. Oh non, le mariage là de Cana. Le mariage de Cana, où on avait épousé, Jésus avait transformé l'eau en vin. Pourquoi les mariés étaient venus dire à sa mère qu'ils n'ont plus de vin? Parce que c'est Jésus qui était parti marier cette femme-là. Mais comme c'est des Congolais, en fait, on n'a pas trop de profondeur de connaissances, on croit tout et n'importe quoi. Les gens commençaient à le croire. Oh, Tate Emile, il a la connaissance. Il nous a démontré par A plus B que Jésus avait une femme qu'on appelait Marie de Magdala, que quand Jésus était mort, Marie de Magdala était partie avec Marie au tombeau de Jésus, mais parce qu'il était sa belle-fille. Oh. Et il a commencé à gaspiller les gens comme ça, avec un enseignement erroné. Il va décousu, il va lire les évangiles apocryphes. Par exemple, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Jacques. Monsieur Émile, qui était un couturier, qui crée simplement une association et qui notamment finit par embrouiller un peu les croyants, était polygame, non? Si je ne me trompe pas. Mais oui, un vrai polygame, mais oui. Un vrai polygame. Un vrai polygame, et on dit même soulard. Attendez. Je ne veux pas que les gens là viennent m'insulter. Ça, c'est le témoignage de mon papa, qui fut son ami. Il m'avait dit que Guy Emile aimait bien l'alcool. Mais il paraît qu'il y a des séances dans son soi-disant église, parce que ce n'est pas reconnu au Congo comme une église. Ou c'est reconnu au Congo comme une église? Non. En fait, suivez. Quand on va question par question, je vais me perdre le fil. Heureusement que vos questions sont bien orientées. Merci beaucoup pour vos questions. Ouais. Non, je voulais rapidement dire, pour ma première question, c'est de savoir si c'est reconnu comme une église. Et deuxième, il paraît que lorsqu'il y a des séances dans ces églises-là de M. Émile, il y a la boisson qui est distribuée aux gens, les gens boivent l'alcool à foison. Donc, c'est mes deux questions. Alors, Guy, Asla OPH, comment on appelle ça, c'est Asla OPH. L'Asla OPH, c'est une association, d'accord, enregistrée légalement au Congo, ils ont un récépissé, d'abord. Ensuite, quand Guy Emile lui-même
a commencé à donner les enseignements religieux, les enseignements spirituels, entre autres, que l'Afrique. Parce que Guy Emile a lu chez Konta Diop, il a lu Théophile Ouya, il a lu les thèses comme quoi l'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord ? Et il a pris ces enseignements qu'il véhiculait dans son association. On a dit, bon, écoute, apparemment, ce que tu dis là, c'est vrai. Il faut qu'on devienne comme une église. Il dit, non, 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 ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi ils sont une association à caractère spirituel, en fait. C'est ça ils sont enregistrés comme ça à la préfecture du Brazzaville, association de bienfaisance à caractère spirituel. Voilà. Mais ça fait pas d'eux une église. Ça fait d'eux une association. C'est une association. Voilà. Alors, cette association se réunit, fait des prières. Oui, mais parce que comme c'est une association à caractère spirituel, ben ils ont le droit de se réunir et de prier, oui. Ils ont le droit de se réunir, de prier, de se comporter comme une église. Bon, pas de se comporter. En fait, quand on dit église, c'est quand l'église veut dire les gens qui se rassemblent et qui croient en une chose, d'accord? Ecclesia, mot église, ça veut dire en latin ecclesia, communauté des gens qui se rassemblent pour élever leur prière vers une divinité. Donc eux, c'est une association, mais quand ils se rassemblent, par ricochet, on peut dire que c'est une église, mais c'est pas oui, une église. Oui, parce que quand ils se rassemblent, je leur dis, moi j'étais à Brazzaville, je les voyais. Hein. Ben, ils ont des habits où ils mettent l'effigie de M. Émile en avant. Ils démontrent au visu populaire qu'ils ont une croyance fondée sur ce monsieur. Sur ce monsieur. Et ils ont le droit parce que le Congo est un pays démocratique, il y a la liberté de croyance. Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, commencer à croire que non, votre Dieu c'est un baobab, vous êtes libre. Et eux, comme l'homme noir comprend toujours mal les choses, l'overdose de la démocratie fait que ben, le monsieur s'autoproclame Dieu. Alors, est-ce que dans les séances de leur réunion spirituelle, l'alcool est bu à foison? Ben oui, mais déjà que lui-même, le monsieur fut, c'est pas l'insulter, un grand adepte de l'alcool, mais quand il va créer son association, les associations, qu'est-ce qu'ils font quand tu vas rassembler les gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin, il faut se partager quelque chose. D'accord? Et lui dira que Dieu avait transformé l'eau en vin. Donc, à un moment donné, il croit que Jésus avait transformé l'eau en vin. À un moment donné, il croit que Jésus était un aventurier qui avait une femme, qui avait ceci. Donc, son enseignement, c'est un enseignement, en fait, décousu de sens. Il dira que l'alcool n'est pas un péché. Il y aura des moments où ils vont citer la Bible. Il y aura des moments où ils vont refuser la Bible. Donc, ils sont des vrais perdus. Donc, il va montrer à ses adeptes. Pas ses adeptes, parce qu'il fut président de l'association, il va leur dire que nous devons boire l'alcool quand on se rassemble, parce que c'est la bière amicine. Il va donner un nom un peu religieux, bière amicine. Chez eux, bière, on appelle ça bière amicine. À la limite, quand ils vont boire, il va leur dire que non, l'alcool là que nous buvons, c'est la bière amicine, c'est divinisé, et vous n'allez pas vous saouler. Ah! Et donc, leur réunion, c'est les meilleurs clients de la brasserie, hein. Tout ce qui est alcool. Le jour que le solo amour, la Slavopéa sera une religion officielle au Congo, mais même moi, je vais créer ma brasserie parce qu'ils vont acheter des bières. Ils prennent la bière en dansant. Mais quand on fait l'analyse, on comprend pourquoi ils prennent la bière. Parce qu'ils doivent domber. Domber, ça veut dire que sauter leur danse qu'ils dansent. On appelle ça dombage. Guy Emile leur avait menti que c'est la danse des anges. C'est la danse des anges. C'est la danse du ciel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Au début, quand ils vont dormir, on va se fatiguer. Mais Guy Emile, autant un homme de Kibossi, le Nsamba, à foison, il connaît bien que ses grands-parents, pour bien danser, ils doivent boire. Mais il introduit ça. Nous devons d'abord boire avant de dormir. Il dit, mais pourquoi? On va se saouler. Non, vous n'allez pas vous saouler. C'est la bière amicine. Dieu va bénir ça. Donc même un enfant de 2 ans peut boire l'alcool là. Mais quand ils vont commencer à dormir. Mais à la limite, ils sont en train de dormir parce qu'ils sont, vapés, ils sont bourrés. Ils sont sous, ouais. Mais ils sont sous. Donc là, c'est une technique de manipulation. Mais oui. Réfléchi, quoi. Mais oui. En fait, attends, je vais dire ça doucement. En fait, c'est une technique de manipulation. Guy Emile aussi a fait un grand. Pas un grand intellectuel, mais un grand technocrate. Parce qu'il fut un couturier. Vous voyez, le couturier, quand il a le tissu, il peut te faire sortir une chemise, il peut te faire sortir une jupe. Ça demande de l'intelligence,
Voilà. Donc, il n'a pas l'intelligence intellectuelle. Donc, les diplômes, grand diplôme, non. Parce que mais les diplômes... Au moins, l'intelligence technique. Technique. Mais après, pour moi, je pense que c'est la meilleure intelligence. Exactement, si vous avez des diplômes, ouais. Alors... Les diplômes, ce n'est qu'une présomption de connaissance. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont docteurs, mais quand ils parlent, ils méritent... Vous dites, oh, est-ce que c'est vraiment un docteur? Donc, l'intelligence, c'est l'intelligence pratique. Et Guy-Emile avait ça. Un grand technicien. Il a dit non. Ces gens-là, quand ils dorment, ils sont fatigués. Il faut introduire. Introduire quelque chose qui fera qu'ils dansent bien. Il faut boire. Et il a divinisé ça. Qui peut nous prouver que l'alcool là qu'ils prennent, que ça ne leur saoule pas? Ils vont encore nous dire non, c'est la foi. Ah non. Ah non. Ah non. Mais l'État face notamment à ces choses que je trouve simplement horribles, ferme-t-il les yeux ou l'État finit par comprendre que c'est une association qui veut mener leur réunion d'une manière spirituelle à leur guise? Laissons-les. Alors, l'État les laissait parce que, à la limite, au début, on les laissait. Ils sont libres. N'oubliez pas que nous sommes en démocratie. En démocratie, pas que chacun fait ce qu'il veut, mais chacun doit faire ce qu'il veut en fonction de la loi. Quand ils ont commencé, on les regardait. D'accord? On les regardait. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelquefois, c'est une association ici, mais comment ils ont mené un Dieu? On a cherché le monsieur. Il avait compris qu'il était en tort. Il a taillé. Il est parti se cacher à Kibosi. On l'a cherché à Kibosi. La police a débarqué, l'armée et tout ça. Il a fui. On a tiré sur lui pour en fait le calmer, pour qu'on le prenne. Mais ses adeptes disent que le gouvernement avait envoyé pour qu'on aille le tuer. Non! On partait le chercher, qui vient répondre par rapport à son statut qui est déclaré à la préfecture, que c'est une association. Mais comment c'est devenu une association à caractère spirituel et lui est devenu Dieu, OPH? Bon, on ne va pas te condamner parce que tu es OPH, parce que OPH, il dit que le nom de Dieu se fait dire OPH. OPH veut dire Dieu d'après lui, que c'est le vrai nom de Dieu et c'est lui le Dieu créateur. On ne peut pas le condamner parce que c'est la démocratie, vous comprenez? Parce que c'est la démocratie. On ne peut pas le condamner. Les gens sont libres de leur croyance. De penser, quoi. Voilà, de penser à leur folie et de croire que leur folie, c'est vrai. Chacun est libre. Mais le problème, c'est que la démocratie a quand même des limites. Il ne faudrait pas troubler l'ordre public. Mais lui, il a commencé avec ces événements où les gens vont dormir, ils vont aller à Kibosi, ils vont boire l'alcool. Il y avait des containers de. Quand ils vont à Kibosi, au Mont Karikari, mais la CFCO, le CFCO, c'est fini, hein. C'est eux, hein. Tous les wagons, c'est les bières, les containers. Ça a commencé à interpeller le gouvernement. Oh, mais comment ces gens-là? C'est une association de bienfaisance. Mais quand même, l'alcool aux enfants, l'alcool est interdit aux mineurs. Comment il permet que les enfants puissent boire l'alcool? D'accord? On va chercher à convoquer le monsieur. Lui, il va mettre ça sous le dos de la persécution, la victimisation. Non, parce que je suis un Dieu créateur, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, nanana. Et donc, on veut me tuer. On a débarqué chez lui à Kibosi pour aller le chercher. Le 5 février 2002, il va fuir. Mais quand quelqu'un fuit l'armée, la police, tu as eu des mandats. Mais à la limite, c'est un mandat d'amener. Ils vont tu deviens hors la loi, ouais. On va pas te tuer, mais on peut te tirer même sur ton pied pour que tu tombes, pour qu'on te prenne. On avait tiré sur lui, il a été même touché au bras et un peu aux côtes. Il a fui. Et quand il avait fui, il a envoyé une cassette. Kebanguna balingeba bomangai. C'est une cassette de Guy-Emile comme ça. Les ennemis de la vérité ont failli me tuer. Mais comme c'est des manipulateurs, les gens ont cru ça. Et il décidera de ne plus se faire voir depuis là, depuis 2002. Mais comme il était touché, il a des gros manipulateurs. Papa Charles, c'est un colonel, vous le savez, Papa Charles. Mais comme c'est un manipulateur, il a même manipulé Papa Charles. Il faut utiliser Papa Charles. Comme c'est un colonel. Et c'est le directeur, c'est le chef de l'hôpital militaire de Pointe-Noire, Papa Charles.
Il a dit, bon, papa Mikungi, Kefanda, président Yabeno. Oh, il a nommé le monsieur. Mais pourquoi? Mais pour que le monsieur aille le soigner. Et vous comprenez le problème? Il va nommer Papa Charles. Il va nommer Papa Charles parce qu'il va être bien. Parce que Papa Charles, c'est un colonel. Il est directeur de l'hôpital militaire. À la limite, il va calmer l'armée. On va plus le mandat d'amener, il y aura une personne qui va peser. D'accord? On va le soigner, mais malheureusement, on va le soigner. Mais il va mourir quand même. Il meurt quand? Concrètement, la date? Tu ne l'as pas en tête? Bon, la date de son décès a été dévoilée quand ils ont eu des problèmes, parce qu'actuellement, ils ont des problèmes à cela au PH. D'accord? Il y a des problèmes au sein notamment de cette association. Mais la date de sa mort, tu ne connais pas trop. Hein? Non, en fait, si je donne la date, ils vont sortir des cassettes, des fausses cassettes, où ils parlent encore. D'accord? Donc, sa date, nous, tout ce qu'on sait, le monsieur a été enterré. D'accord, il a été enterré. Il y a un endroit qui bosse là-bas où c'est bien écrit. Ici repose Guillaume Sédiloufoua Sékikouabo. Ils vont jamais montrer ce tombeau-là. Jamais. Ce qui est étonnant, c'est que ce mouvement associatif à caractère spirituel se pérennise avec des gens qui sont des intellectuels, avec des gens, comme tu as su le dire, qui sont aussi des officiers. Et aujourd'hui, on est face à une association qui est en discussion, parce qu'il y a des problèmes au sein de cette association-là. Quel est le regard que toi, tu peux poser sur de telles associations? Est-ce qu'on doit continuer à vouloir la naissance de ces associations-là au moment où on sait très bien que dans nos sociétés, nombreux ne lisent pas, nombreux ne sont pas des éclairés, et sans doute, il y a une facilitation, surtout avec la misère, d'embarquer les gens dans une croyance de folie? Alors, la réponse est que là, c'est l'État qui doit jouer son rôle en ce moment-là. Par rapport à la situation, bien sûr, de l'association Lozolo Amour, Asla, OPH, il faudrait que face à ces dérives, face à ces déviances, c'est à l'État qui, par définition, est le garant des droits et libertés des citoyens, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et l'État a pris ses responsabilités. D'accord? Parce que ils ont un statut, ils ont un règlement intérieur. Et le règlement intérieur spécifie bien comment l'organisation, parce que j'ai leur règlement intérieur, j'ai leur statut, parce que j'ai fait mon master, il fallait que je fasse des recherches. Ils ont un statut et un règlement intérieur en bonne et due forme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Guy-Émile, Loufoua Sékikouabo, puisque il est considéré comme Dieu créateur, donc c'est à lui de nommer les responsables ou de valider les bureaux de son association. Mais il est déjà mort, il ne peut pas faire ça. Ce qui est incompatible, non, lors de son vivant. Alors de son vivant. Non, lors de son vivant, leur bureau était validé par lui-même. Parce que c'est lui-même qui devait choisir qui devait diriger l'association. Ce qui est déjà incompatible par rapport à l'organisation des associations. Parce qu'une association, le mandat doit être rotatif. Rotatif, oui. Vous pouvez être un président fondateur. Mais il y aura un moment, il faudrait que vous fassiez les élections, que vous soyez reconduit à vos fonctions. Quand vous êtes un président fondateur, ça ne fait pas de vous un président fondateur à vie par rapport au règlement des associations. Donc, déjà dans ce contexte, le Zolo Amour à cela au PH tombe, pêche, d'accord? Mais lors de son vivant, ils entretenaient bien leur magouille, c'est-à-dire qu'ils ont bien magouillé même l'État. C'est-à-dire qu'ils vont faire les PV, ils vont voter les bureaux, ils vont envoyer à leur grand maître va valider, ensuite ils vont envoyer à la préfecture, voyez? Et la préfecture va valider le bureau. Donc voilà, c'est là le bureau qui dirige l'association à cela au PH. Mais puisqu'il n'existe plus physiquement, d'accord? Alors eux-mêmes, parce qu'ils sont des vrais, alors ça, ils ont des intellectuels, attention, dans leur,
dans leur association. Ils appellent sa mort la mort physique. La mort physique. C'est-à-dire qu'il y a même un que je suivais une fois, on avait fait un débat à leur radio, là, à Brazzaville, à Mukondo. Mais même moi-même, je voyais comment le monsieur, un vrai intellectuel, mais il était vraiment aveuglé. J'ai dit, est-ce qu'il est mort? Il dit, non, mon frère, Guy Emile, c'est l'absence physique de Guy Emile. J'ai dit, mais l'absence physique veut dire quoi? Est-ce qu'il s'est caché quelque part? Il ne veut pas qu'on le voit? Ou il n'existe plus? Il dit, non, les deux. J'ai dit, mais les deux, donne-moi la réponse. Ils ne veulent pas donner la réponse. C'est maintenant là qu'ils ont eu des problèmes, qu'une frange de ses enfants et de ses neveux ne veulent pas de Papa Charles comme président de l'association, parce que Guy Emile, ça a été prouvé qu'il n'existe plus. Eux-mêmes appellent ça la mort. Papa Charles appelle ça la mort, l'absence physique du grand maître. Donc pour lui, ce n'est pas la mort, mais c'est l'absence physique. Pourquoi? Que le monsieur n'existe plus, mais qu'il existe spirituellement, puisque c'est un dieu, d'après eux. Mais nous sommes dans un état il est laïque. On n'a pas besoin d'un dieu pour venir nous nommer un président, mais Papa Charles. Vous êtes colonel, vous êtes militaire, mais assumez que vous n'avez pas le droit d'être président sur la base d'une personne inexistante. Si vous recevez les révélations qu'il vous dit, Papa Charles, il dit par exemple dernièrement à son émission que j'ai suivie, que Papa Charles, que le grand maître avait destitué, je ne sais pas quel bureau, et il avait mandaté lui. Mais comme il n'est pas, qui va signer ton document, Papa Charles? Qui va signer ton document? L'ordre de mission. Mais pour Papa Charles, Guy Emile est Dieu. D'accord, on le laisse, on le concède, d'accord? Chacun est libre de croire. Mais ici, nous sommes en train d'analyser. Papa Guy Emile ne peut pas être Dieu. Surtout pas Dieu créateur, quand même. À un moment donné, pourquoi on est comme ça, quoi, nous, les hommes noirs? Mais c'est Guy Emile qui a dit qu'il ne peut pas être Dieu au moment où, dans la Bible, il est dit que nous sommes l'image de Dieu, nous les humains. Alors oui, dans ce sens-là, dans ce contexte, il est Dieu. Parce que la Bible dit, n'est-il pas écrit dans vos textes que vous aussi, vous êtes des dieux? Guy Emile est Dieu comme moi, je suis Dieu. Guy Emile est Dieu comme Levan est Dieu, comme M. Oko est Dieu, comme Faye, comme Sassou. Tout le monde est Dieu. Pourquoi tout le monde est Dieu? Parce que tout le monde est créé à l'image et à la ressemblance des dieux. Mais nous ne sommes pas des dieux avec grand D. Nous sommes des dieux avec petit D. Ah, voilà la différence. M. Emile a voulu faire croire à ses adhérents qu'il est le Dieu avec grand D. Ben oui, mais pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est lui celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu créateur. Alors que s'il disait, par exemple, qu'il était Dieu avec petit D, comme la Bible dit, n'est-il pas écrit dans vos textes que vous aussi, vous êtes des dieux? Ben, à la limite, moi, je peux accepter qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu avec petit D. Parce que quand je dis comme ça, eux, ils vont couper cette partie-là où c'est en train de dire qu'il est Dieu, ils vont mettre à leur chaîne. Parce qu'on m'avait déjà fait... on m'avait déjà fait ça. À Point Noir, j'ai fait une émission chez eux où je disais que Guy Emile était Dieu. Ça m'avait créé des problèmes d'ailleurs. Mais je disais qu'il était Dieu comme ça. Vous voyez bien, avec petit D. Comme moi, pas comme Dieu tout le monde. Dieu avec grand D. Dieu avec grand D, c'est le Dieu créateur. Exactement. Celui qui a créé le ciel et la terre. Ah, Yaya Franck. Mes salutations, cher grand frère. Voyez, Guy Emile est Dieu avec petit D. Dieu, comme tout le monde, parce que Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous aussi, vous êtes des dieux? Mais est-ce que M. Emile a fait des miracles? Parce qu'à un moment donné aussi, c'est les questions qu'on se pose. De ces gens-là qui se lèvent du jour au lendemain en se disant que ce sont des dieux. Alors, faire des miracles ne fait pas d'une personne Dieu créateur. Exact. D'accord? C'est l'ignorance qui règne en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, nos amis les Juifs, ils ont eu un libérateur qu'on a appelé Moïse. Moïse, oui. Est-ce que le Juif appelle Moïse Dieu? Est-ce que Moïse est Dieu créateur chez les Juifs? Non. Abraham a fait des choses, mais il n'est jamais considéré comme Dieu. Il y a les saints dans l'Église catholique romaine, Saint Antoine de Padoue, Sainte Rita,
Saint Benoît, ils ont fait des miracles. Ils ont ressuscité des morts. Quelqu'un est mort, il le ramène à la vie. D'accord? Mais est-ce que les Français, qui a un grand saint comme Saint Jean-Marie Vianney, est-ce que les Français nous disent que Saint Jean-Marie Vianney est Dieu? Non. Ils le considèrent comme un saint. D'accord? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, à la limite, a fait les choses comme Kipavita. Kipavita s'est levé pour chercher à réunifier son royaume. Jeanne d'Arc aussi s'est levée. Elle a été d'ailleurs condamnée à mort. Mais est-ce que la France, qui honore Jeanne d'Arc, honore Jeanne d'Arc comme une déesse? Non. Mais chez nous, les Noirs, Kipavita, ce qu'elle a fait, il y a des gens qui croient qu'Kipavita est une déesse. Déesse avec petit dé, oui, mais pas Dieu créateur. Pas Guy Émile, comment Guy Émile peut être Dieu d'après vous-même? Il faudrait être une personne qui souffrirait d'une cécité intellectuelle pour croire à des tels scénarios. Imaginez, si Guy Émile est, attends, je vais vous montrer, on dit Guy Émile est un Dieu créateur. C'est ce qu'ils disent. Qu'il a créé le ciel et la terre. Qu'il a créé l'univers. Qu'il est l'esprit de la vérité, Jean 14. Je vous enverrai le paraclet libérateur qui vous révélera des choses. L'incompréhension et l'anachronisme qui règnent dans ce mouvement, il faut être un aveuglé pour voir ça. Ils vont nous dire que Guy Émile, c'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, donc il y a, qui est le Père, qui est le Fils? D'accord? Pour qu'il soit Esprit Saint. N'est-ce pas? Exact. Parce que pour qu'il soit Esprit Saint, c'est que donc, eux, ils croient en la Trinité. La Trinité, c'est le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit qui forment un seul Dieu. Alors, on dit que Guy Émile, ou fois c'est du quoi beau, est l'envoyé, le paraclet Jean 14, 12. Ils vont citer les versets où je vous enverrai un esprit libérateur, un esprit qui vous révélera des choses cachées. Et leur enseignement, on appelle ça les vérités divines de l'heure. Les enseignements de Guy Émile sont appelés vérités divines de l'heure. Donc, quand il dit vérité divine de l'heure, quand il dit le mot divine, ça veut dire c'est Dieu. De quel Dieu il nous enseigne? Il nous enseigne lui-même. Mais s'il nous enseigne lui-même, on connaît son histoire. Il fut couturier à Vungu. Il fut polygame. Il a eu des enfants. C'est l'histoire de Guy Émile. Il avait créé une association qu'on appelait le Zulu Amour. Il rassemblait les gens. Il y a Franck en train de suivre Papa Nkunku, fut un vrai adepte de le Zulu Amour, pas comme association spirituelle, mais comme association humanitaire. Vous comprenez? Donc, si je comprends bien, le Zulu Amour a eu un moment à faire des dons dans notre pays, à aider les démunis. Mais ils font ça jusqu'aujourd'hui. Ils font ça jusqu'aujourd'hui. Maintenant, où proviennent notamment les finances qui font à ce que cette association-là puisse venir réaliser cette bonté sociétale? Mais une association, puisque c'est une association créée sur la base de la déclaration de 1901 qui permettait la création des associations libres, vous voyez, que des gens qui pouvaient, mais ils vivent comme toute association. C'est-à-dire des cotisations, des dons, des legs, comme toute association, vous voyez, qui fonctionne avec les cotisations. Mais ils ont les cotisations pour être membre de l'association Le Zulu Amour. Il faut payer. Ils ont des frais d'adhésion. Ou mensuellement? Non. Ils ont d'abord, alors, Guy Émile, c'est un technocrate. Il a bien organisé des choses. Quand vous venez, vous êtes membre. Vous portez la tenue jaune. D'accord? Mais la tenue jaune de la mystique Congo, c'est une tenue. La couleur jaune symbolise l'intelligence. Donc, quand vous mettez une couleur jaune, tout ce qu'on vous apprend, ben, ça vous capte. Parce que c'est ça, le mystique Congo explique que quand on met la couleur jaune, ça éclaire. Voilà pourquoi la majorité des écoles privées mettent la tenue jaune, surtout les écoles d'obéissance de Guy Émile. Mais quand vous allez finir cette formation, celui qu'on appelle vérité divine de l'heure, vous pouvez devenir membre confirmé. Vous comprenez? Et quand vous devenez membre confirmé, il faut payer 100 000. 100 000 avec 10 francs. Donc un vrai aventurier,
Il va 10 francs là, c'est pour dire non, c'est pour les esprits, mais les hommes, là, il va acheter sa veste avec, vous voyez. Donc, il faut payer des frais. À la limite, c'est à l'autour de 100 000 avec 10 francs ou 15 francs comme ça. Là, vous devenez membre confirmé. On vous change de tenue. On va vous donner une tenue rouge bordeaux. Mais qu'est-ce que symbolise la couleur rouge dans la mystique Congo? La couleur rouge dans la mystique Congo symbolise l'engagement. C'est là où on a Baounda. C'est-à-dire que ce que je crois, ce en quoi je crois, personne ne peut me les changer. Donc, Guy-Émile, par exemple, tous ces membres confirmés là, ils portent la tenue rouge. Parce qu'ils sont membres confirmés. Alors, à la limite, Guy-Émile savait que quand quelqu'un met la couleur rouge, c'est comme les cardinaux dans l'Église catholique, c'est pas n'importe quel prêtre qui met la couleur rouge. C'est quand on devient cardinal qu'on met la couleur rouge. Et quand on devient cardinal, à la limite, on ne peut plus reculer en arrière. On a vu le cardinal Biayenda, non? Il a accepté qu'on le tue. Voilà. En fait, on mettait les couleurs rouges à partir d'un concile que j'ai oublié, pour ne pas dire des anachronismes, pour dire que vous avez choisi de servir le Seigneur. On vous met cette couleur rouge sur la tête qui symbolise le sang. Ça veut dire que vous êtes prêt à mourir pour vos convictions. Et Guy-Émile aussi, comme c'est un technocrate, il a dit, ben, moi aussi, mes membres confirmés vont mettre cette couleur. À la limite, ils vont accepter de mourir pour moi, pour mes croyances. Voilà pourquoi jamais un membre confirmé, parce que ceux qui font les débats à la télé, c'est des membres confirmés, jamais vous allez lui faire convaincre, vous allez le convaincre que Guy-Émile n'est pas Dieu. À la limite, en conclusion, il va vous dire, ben, ok, il n'est pas Dieu pour toi, mais pour moi, il est Dieu. Le débat va finir là. Parce que c'est quelqu'un qui a été endoctriné. Quelqu'un qui a été endoctriné spirituellement et intellectuellement. Eux, ils ne connaissent pas la portée des couleurs. Allez, allons en France ici, quand vous allez à l'hôpital, il y a une branche de la médecine, j'ai oublié le nom, en dehors des psychomotrices, il y a aussi une branche, surtout en psychiatrie, moi qui ai eu la chance de baigner dans ce milieu sans être malade, je voyais ça bien. On avait des séances, on va te demander de feutrer les choses. De feutrer. Pour voir si tu es en bonne santé. Mais quand vous prenez les couleurs noires, rouge, bordeaux, les couleurs bizarres, le médecin va dire à la personne, il va lire, il va dire non, 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 cette personne n'est pas encore bien, il a un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Rien qu'avec les feutres, un psychiatre ou un psychologue peut savoir ton état mental. Rien qu'avec ton écriture, on peut savoir. Attendez, je vais vous mettre un exemple. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'écrire, non? Vous voyez ce que je fais? Mais est-ce qu'une personne qui viendra ici saura ce que j'écris ici? Non, non, non. Ben alors, c'est quoi? C'est pour, en fait, évacuer ma tête. Parce que je suis en train de dire des choses très sensées. Si je dis ça verbalement, ça va me prendre la considération. Je suis à la limite en train de faire ça. Comme un professeur qui explique sur le tableau. Mais c'est un signe. Vous comprenez? Mais non, il y a des gens qui, par exemple, lisent les Écritures. C'est une parenthèse. Les Écritures, vous connaissez? Si, si, si. Hein, Tsonokono, hein, les Mizinga, là. Gens qui écrivent souvent bizarrement, là. Voilà, voilà, bizarrement. À la limite, on lit ces choses-là pour lire ça. Moi-même, ma maman, moi, j'ai évolué dans les milieux dans les groupes de prière. Mon frère est pasteur. Yaya Franck, vous connaissez, Yaya Richard et tout ça. Je commençais à lire ces choses depuis, c'est pas 10 ans, 12 ans. Mais après, j'avais compris que, en fait, on ne lisait pas ça spirituellement aussi. C'est aussi lisable, si c'est lisible, s'il faut dire, intellectuellement. Par exemple, là, quand quelqu'un viendra, ce n'est qu'une personne qui est soit en colère, qui peut faire des conneries pareilles, qui peut écrire tchac, 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 tchac. Ou une personne qui est pressée. D'accord? Quand le médecin écrit comme ça l'ordonnance, ça suffit de ne pas perdre le temps. Et est-ce que pour dire que le médecin qui a écrit ça a été pressé, est-ce que c'est spirituel? Non, non, non. Mais non. Quand, par exemple, vous allez prendre le même médecin qui écrit soi-disant, parce qu'il y a des gens qui disent les médecins écrivent toujours bizarrement, mais prenez ce médecin d'aller faire un concours. Un concours où on ne va pas saisir des choses sur ordinateur, il ne va pas écrire ses conneries qu'il nous fait dans son bureau. Hein. Sur l'ordonnance, ouais. Parce que sur l'ordonnance, quand il écrit comme ça, à la limite, il suffit de faire FT. Il écrit le reste. Un pharmacien va savoir que FT ou DP, c'est Doliprane. Il n'est pas obligé de tout écrire. Il peut écrire DP après le reste. Il fait les traits.
Mais quand vous allez à la pharmacie, nous les ignares, on ne comprendra pas, mais quelqu'un qui a fait un peu des cours de vendeur en pharmacie, il va DPA, c'est Doliprane. Même rien qu'avec ta santé, il va savoir tu as quoi, tu as la fièvre. Il voit DP, il saura que c'est Doliprane. Il voit P, C, avec les conneries après, il saura que c'est paracétamol. C'est comme moi qui ai fait la théologie, quand vous me dites MT, je connais que c'est Mathieu. Quand vous me dites LC, je saurais que c'est Luc. Donc un ami pasteur ou un prêtre n'est pas obligé de m'écrire Luc 1 ou Mathieu. Non, il peut écrire M avec une telle attaque, moi je saurais que c'est Mathieu. Mais c'est on va ouvrir aussi une parenthèse parce que c'est vraiment très important qu'on puisse évoquer ces croyances traditionnelles, ces gens qui se font passer pour des personnes mystiques. On parlera rapidement un peu de Ntoumi. Ntoumi qui a fait un peu de la politique et qui est venu aussi semer l'embrouillage religieux en faisant croire aux Poulois que c'est quelqu'un de mystérieux. Ntoumi va apporter la couleur violette que ses adeptes portaient. Quelle est la signification un peu de cette couleur? Alors, donc ça fait deux questions. Hein? Ça fait quelle est la signification de la couleur? Aussi, là, un avis sur Ntoumi, d'accord? Ntoumi. Alors, la couleur violet, le violet. Le violet, spirituellement, symbolise la pénitence. La pénitence. Voilà pourquoi dans l'Église catholique romaine, vous verrez que pendant le temps de carême, on mettra, les prêtres mettront la couleur violet. Le violet. Ça signifie que nous entrons dans la pénitence, dans la conversion, dans l'acceptation de la souffrance que le Christ va souffrir, parce que le temps de carême, c'est le temps de jeûner. Et quand on met le violet, à la limite, cette couleur te vivifie, d'accord? Te vivifie. Dans quel sens? Tu peux rester affamé du matin au soir quand tu es en violet. La couleur, ça c'est la spiritualité, hein, voilà. Cette couleur va t'aider à te maintenir parce que la couleur a un reflet. La couleur a un reflet. Ça encore, si vous voulez un jour, vous aurez la chance de lire mes livres sur la mystique des couleurs ou le symbolisme des couleurs. Donc, pourquoi Ntoumi, bon, moi, je ne veux pas l'appeler Ntoumi. Il n'est pas Ntoumi. Il n'est pas Ntoumi. On ne va pas lui donner un gros titre comme ça. Hein? Pourquoi tu ne veux pas l'appeler Ntoumi? Ntoumi veut dire quoi concrètement au Congo, monsieur le philosophe? Non, Ntoumi, dans la religion Congo, c'est un envoyé. Un envoyé, Ntoumi, c'est... Alors, si vous voulez, pour mieux comprendre, la religion Congo dit ceci, que tous nous sommes en marche vers le Nzila Congo. Nzila Congo, ça veut dire le chemin de la sainteté, le chemin de la perfection. C'est ce que nos ancêtres ont enseigné. Que tout homme est en marche vers Mounzila Congo. D'accord? Donc, sur le chemin Congo. Et Dieu est appelé Nzambian Congo, mais le Dieu suprême est appelé Akongo. Akongo. Vous comprenez? Donc, le Akongo chez nous, c'est le Dieu créateur. Donc, nos ancêtres, finalement, donc, j'ai expliqué au début qu'il y a un Tsaku. Tsaku Ndavavanda, qui était le conseiller spirituel du roi, expliquait que nous devons marcher sur le Nzila Congo. Nzila Congo, le chemin Congo. Ça veut dire qu'aller vers Dieu. C'est ce que le christianisme appelle le chemin de la croix. D'accord? Le chemin parcouru par Jésus pour aller être glorifié au calvaire. Mais nos ancêtres enseignaient ça, Nzila Congo, pour être élevé. Et quand on n'a pas encore commencé ce chemin, on est appelé Nkessa. Nkessa. Nkessa, ça veut dire c'est un combattant. D'accord? Ou on a appelé, si on n'est pas Nkessa, on est Ngunza. Vous comprenez finalement comment ces gens-là ne connaissent pas les choses et qu'ils se croient que non, ils connaissent. Un Ngunza dans le royaume Congo. Qui veut dire combattant? Non, un Ngunza veut dire un soldat. Un soldat. Mais un Kessa, ça veut dire un combattant. Un combattant. Kessa, combattant, Ngunza, soldat. Oui. Maintenant, Ntoumi. Voilà. Maintenant, suivez. Quand je vous posez des questions comme ça, je vais me perdre, vous voyez. Je dis qu'on a un Kessa. C'est-à-dire que tout Congo est un Kessa. Tout Congo est un Ngunza. Parce qu'un Ngunza, d'après la spiritualité Congo, on est soldat spirituel. Et si vous lisez le livre du père Placide Tempel, ce qu'on appelle la philosophie bantou, il disait quoi? Que chez les Congos ou chez les Bantous,
L'homme égale force. En la rue, on dit, Moubamoutou, faut être digita, bakala, faut être digita. Je me rappelle mon grand, Yaya Ange, il me le disait de toute façon, qui est là, chez les Yamboté. Quand j'étais un peu trop mou et tout ça, comme une femme, il disait, bakala, faut être digita. C'est-à-dire qu'un homme, il faut s'imposer. D'accord? Ça signifie que nous, nos ancêtres, allaient dire à cette place que, faut abangunza. Un homme, faut abangunza. C'est-à-dire, faut être un gunza, un soldat spirituel, qui ne faiblit pas, qui ne pleure pas. C'est ça le Ngunza. Maintenant, quand on va commencer la marche de Nzila Kongo, on peut devenir un Mbuta. Un Mbuta, ça signifie, à la limite, on peut dire aujourd'hui un pasteur, hein, quelqu'un qui a le droit d'enseigner. D'accord? Après, on va devenir un Tumwa. Un Tumwa, c'est un apôtre. Un Tumwa, celui qui dirige l'Nkesa. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes un apôtre, vous avez des fidèles. Les fidèles, c'est les Makessa, les Ngunza, et vous êtes un Tumwa, c'est vous qui les coordonnez. Maintenant, si le Tumwa, donc l'apôtre, continue à bien se comporter, à bien être moral, il devient à la limite un évêque général, comme un archevêque. Et l'archevêque, chez la spiritualité Congo, c'est le Ntumi. Ah ouais, le Ntumi, c'est l'archevêque spirituel chez les Congos. Congo. Ça veut dire que c'est un mystique, il est trop mystique, il est trop sage, il dirige les Ntumwa, il dirige les Mbuta, il dirige les Ngunza, il dirige les Makessa. Donc c'est lui, Ntumi. C'est comme Monseigneur Manamika, qui est l'archevêque de Brazzaville. Il y a des évêques à Brazzaville, mais lui, il est archevêque. D'accord? À la limite, il a une certaine autorité. Ça ne veut pas dire qu'il est plus évêque que les autres. D'accord? Mais lui, on le met archevêque parce qu'il a la capacité de rassembler. Donc Ntumi, en fait, quand il s'autoproclame Ntumi, à la limite, il se prend pour Monseigneur Manamika, il se prend pour Monseigneur Milandou spirituel. Mais c'est un vrai aventurier, ce monsieur spirituel. Pourquoi c'est un vrai aventurier? Parce que vous m'avez demandé mon avis. Je vous ai expliqué la couleur. Donc on va l'appeler Binsamou. C'est son nom, hein? Alors moi, je ne l'appelle pas Ntumi, monsieur Binsamou Frédéric. Binsamou, voilà. Chacun s'appelle avec son état civil. Voilà. Monsieur Binsamou Philippe a été formé par Papa Isaïe. Si vous connaissez Papa Isaïe. C'est l'église qui a derrière pont de Sainte-Anne, le couvent des sœurs, derrière là. Il y a un monsieur de la RDC, Papa Isaïe, qui était un grand mystique, qui avait la connaissance de la spiritualité Congo, qui avait créé son église. Et parmi les vertus qu'il avait, il soignait les fous. Papa Isaïe. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des fous chez Papa Isaïe. L'église continue. Vous allez vérifier. Vous allez à Sainte-Anne. Entre Sainte-Anne et le couvent des sœurs, là où il y a le pont, il y a l'église de Papa Isaïe. Là-bas, on soigne toujours les fous. Et c'est de là que vient Ntumi. Ntumi fut disciple de Papa Isaïe. D'accord? Frédéric Vincent. Ah, mais on dit Ntumi pour que les gens comprennent. Vous voyez? Pour que les gens comprennent. Pour que les adeptes comprennent. Parce que le... On l'appelle plus Ntumi, voilà, mais pour moi, je suis en Congo, il y a Franck, il ne va pas me le dire le contraire, il n'est pas notre Ntumi, d'accord? C'est M. Binsamou. S'il veut, on l'appelle Pasteur Ntumi, point. Non, Pasteur Binsamou. Mais enfin, qu'est-ce qu'il prouve déjà qu'il ne connaît rien? Il s'appelle Pasteur Ntumi. Oh. Mais comment vous allez être un pasteur, vous allez être à la fois un Ntumi? Alors que un pasteur, c'est... En fait, comment je vais expliquer ça? Dans la dispensation de la Bible, on nous appelle qu'il y a 5 catégories des envoyés. Dans la Bible, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs, et il y a les... Voilà, attends, je vais m'embrouiller. Il faut que je note, sinon je vais m'embrouiller. Attendez. Il y a des pasteurs. C'est ce que Saint Paul explique, d'accord? Il y a des pasteurs. Après, il y a des apôtres. Après, il y a des prophètes. Après, il y a des docteurs. Voilà, ça fait 4. Pasteur, apôtre, prophète, docteur. Après, les évangélistes. Merci. C'est ce que j'ai cherché. Donc, c'est les 5 ministères qui existent. Mais ces 5 ministères existaient déjà avant que Saint Paul vienne en parler chez nous dans le royaume Congo. D'accord? Voilà. Maintenant, un pasteur dans le royaume Congo, c'est un Ngangamayele, Nganganzambi, un pasteur. Un apôtre,
Dans le royaume Congo, c'est un tout moi. Un prophète, dans le royaume Congo, mes ancêtres appelaient ça un Bikudi. Un docteur s'appelait un Gangakisi. Un évangéliste, chez nous, ça n'existe presque pas, c'est ce qu'on appelait les Dipon-Dipon, d'accord? Ah, Yandi Loise-Walenadi, il parle comme ça, parle comme ça. C'est comme, comme l'Enkesa, l'Ngunza, et faisait partie dans ces carcans du ministère des évangélistes. Mais Ntoumi, à la fois, il dit qu'il est pasteur Ntoumi. Donc, il est à la fois pasteur et apôtre. Mais comment quelqu'un va s'appeler pasteur-apôtre? C'est un ignorant. Vous avez compris? C'est un ignorant. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien ni de la mystique au Congo. Il ne connaît rien ni de la Bible qu'il prétend parler. Il ne connaît rien ni de Saint-Michel qu'il utilise comme égrégore. Vous comprenez? Donc, Ntoumi, en fait, c'est un syncrétiste. Syncrétiste, si vous voulez, c'est quelqu'un, il prend à gauche, il prend à droite, il prend à gauche, il prend à droite, il mélange et il se croit fort. Vous avez compris? Donc, quand il priait chez Papa Esaïe là-bas, il comprend quelques vertus de soigner les fous et après, il quitte là-bas, si je comprends bien. Non, pas il quitte là-bas. Il était bien formé là-bas, il fut un grand adepte de Papa Esaïe. Papa Esaïe, c'est un mouvement pentecôtiste. C'est-à-dire qu'il croit en l'Esprit Saint. Quand vous allez là-bas, même jusqu'aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Il y a des gens qui vont être devant, qui vont prier et qui vont commencer à vous dire des choses. Non, papa, les vins, aux aboyés, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est ça l'église de Papa Isaïe. Pentecôte. Il y en a même à point noir. Du coup, lui, il va sortir de là-bas comme un visionnaire. C'est-à-dire qu'il a la capacité. Comme chez eux, tout le monde prie pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas quoi. Tu peux prier sur un tel, l'autre aussi prie pour toi. Pour eux, c'est l'Esprit Saint. Papa Isaïe explique que comme l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres, sur tout le monde. Donc, Ntoumi vient de là. Une église un peu anarchique où il y a tout un désordre, un foot. Il vient déjà de ce premier désordre-là. Donc, sa source est déjà dans le désordre. Exact. Et puisqu'il va connaître comment soigner les fous, pendant là, il va découvrir qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Kolela, Bernard Kolela, qui lui aussi, autant qu'un bon Congo, connaît que pour manipuler les Congos, il faut être un mystico-religieux. Il faut être un politico-religieux. Il va faire la politique, mais il sait que pour attirer les Bakongos, il faut toujours dire le nom de Dieu. Il va choisir le soleil comme égrégore, et le soleil, c'est le même soleil qu'utilise l'aventurier de Guy-Émile Oufoua-Setiouabo. Il dit qu'il est Dieu, mais chaque midi, il demande à ses adeptes de regarder le soleil. Oh. Mais le soleil, c'est un autre Dieu, Guy-Émile. Si tu es le Dieu créateur, pourquoi tu nous demandes d'aller adorer un autre Dieu? Qui ne connaît pas qu'il y a un Dieu soleil qu'on appelle dans ce monde, Dieu soleil? Qui ne connaît pas ça? Sauf si quelqu'un n'est pas allé à l'école. Donc, Guy-Émile, en fait, il n'est rien. Il s'autoproclame Dieu en faisant adorer les disciples, Dieu soleil. Voilà pourquoi les Zolo Amour, à midi, ils vont chaque 12 heures. Pourquoi chaque 12 heures? Parce que 12 heures, c'est l'heure où le soleil sort. Le soleil est frappant. Le soleil au zénith, oui. Au zénith, ouais, c'est même le terme. Le soleil au zénith, donc le Dieu soleil, il est fort. Et Guy-Émile disait, allez regarder le soleil. Oh. Mais soit les gens, c'est toi Dieu. Pourquoi on ne va pas te regarder, toi? Tu nous demandes d'aller adorer un autre Dieu. Donc, l'association Guy-Émile, l'association Le Zolo Amour, pour une parenthèse, est une association païenne. Ils adorent un Dieu païen. Leur Dieu, c'est le Dieu soleil. D'ailleurs, le chrisme qu'ils mettent là, c'est le chrisme du soleil. Chaque endroit où ils brillent, ils vont mettre ce chrisme, ils vont entourer ça. Quand on met ce chrisme dans la mystique spirituelle, ça signifie que le Dieu soleil, d'où il est, il connaît qu'il y a les gens qui l'adorent. Et lui-même, il sait que le Dieu soleil, le soleil ne parle pas. Et il se dit donc, c'est moi. Et il y a des aventuriers comme ça qui le croient. Mais pour revenir à Ntoumi, Ntoumi a été formé. Bernard Kolela faisait adorer le Wakongo, le Dieu Soleil. Vous le connaissez, non? Tiangou ni Tiangou quoi, non? Tiangou ni Tiangou quoi. Bah alors. Tiangou ni Tiangou quoi, c'était le slogan de Bernard Kolela. Mais il va. Donc, aussi, ce slogan-là, c'était une forme d'adoration envers le Dieu Soleil. Mais pas une forme. Une adoration au Dieu Soleil. Pourquoi dire une forme? C'est une adoration, oui. Une adoration. Une adoration. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, si je commence à dire « Satan vient de ma vie, Satan vient de ma vie », je ne veux pas dire que c'est une forme, c'est une adoration du diable.
Et donc, Kolela aussi, père, faisait adorer le Bakongo, le dieu soleil. Tangou ni tangou, quoi. Et puisqu'il sait que le Bakongo, le royaume Congo, le Congo-Brazzaville, les gens aiment beaucoup Dieu. C'est notre ADN, quoi. Les Congolais aiment Dieu. Pour manipuler un Congolais, il suffit de parler du nom de Dieu. D'accord? Même un ministre, vous allez vraiment le manipuler. Même un président de la République, vous allez le manipuler si vous dites au nom de Dieu. Le président Tshisekedi, il est manipulé, ballonné à gauche et à droite au nom de Dieu, non? Parfois, il dédicace le pays à Dieu. Il oublie même que le pays est démocratique et laïque. D'accord? Donc, du coup, Ntoumi s'est inspiré de Bernard Kolela. Parce que les ninjas, à l'époque, les ninjas de Siloulou, n'étaient pas les ninjas de Ntoumi. Kolela avait des ninjas. Maintenant, quand la guerre va commencer, Ntoumi, avec sa connaissance, il commençait, Ntoumi, ma maman expliquait qu'il soignait des fous. Il pouvait venir au marché, il prend les fous, il va les soigner. Parce que c'est le don qu'ils ont par rapport à Papa Isaïe. Mais quand il va rassembler les gens, il va chercher à dédoubler son église personnelle. D'accord? Il va, comme tous les pasteurs, parce qu'il s'appelle lui-même pasteur d'ailleurs, comme tous les pasteurs, il faut qu'il toujours quitte son maître. D'accord? Pour aller ouvrir son église, servir ses propres intérêts. Mais on rentre dans un contexte de guerre. Où Bernard Kolela, la guerre de 93, tout ça, Kolela, il est là. Ntoumi, il voyait tout ça. Il connaissait que Kolela faisait adorer les gens, le Dieu soleil. Oh, ce monsieur-là, il a de nom. Avec ses magouilles, là, il manipule bien les Bakongo. Moi-même aussi, je dois créer mon chose. Et en 97, quand la guerre de 97 va venir, Ntoumi aussi lui-même va rentrer dans la scène. D'accord? Parce qu'il avait maintenant les fous qu'il avait déjà soignés lui-même. Mais oh, les fous, quand on soigne un fou, traditionnellement, on dit en français, les méthodes, les soins traditionnels, vous voyez? De psychiatrie, il faut normalement, pour que la personne soit bien, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique et psychiatrique toujours. Parce que si la personne est possédée par des démons qui lui ont créé cette folie, à la limite, vous pouvez faire l'exorcisme. Vous pouvez faire la délivrance. La personne va être libérée, mais à la fin, les nerfs vont toujours rester tendus. Le cerveau a déjà enregistré des choses bizarres. Il faut que la personne soit recadrée. Il faut un accompagnement psychologique. Moi-même, si vous voyez, vous tapez Poussi Sangou sur YouTube, vous allez voir qu'à Brazzaville, avec ma fraternité, je faisais beaucoup d'exorcismes. Il y avait des gens qui venaient, pas pour faire ma publicité, qui étaient fous, mais que Dieu a guéri à travers moi. Bah, je ne dis pas moi, Dieu a guéri à travers moi. Mais à la fin, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais avec le docteur Gandou, que je salue de Cabano. Je travaillais avec le docteur Florent Missonsa, le fils du docteur Missonsa. J'ai envoyé là-bas. La personne a été libérée par Dieu. Mais allez voir un médecin. Et même Jésus faisait ça. Jésus, il guérissait, il a mis la boue dans les yeux d'une personne, il a dit, va te laver à la mer. Quand il a ressuscité la fille de Jaïr, il a dit, donnez-lui à manger. Il y a toujours un accompagnement humain. Mais Frédéric Mintsamou, notre frère, c'est fou. À la limite, ils sont toujours fous. Ça, les psychiatres ne vont pas me contredire. Parce qu'ils ont reçu un traitement que traditionnel. Et vu qu'ils ne sont pas normaux encore dans leur tête, et ils prennent encore des tissus violets, ils leur mettent sur la tête, ça signifie que les personnes acceptent la souffrance. Ces gens-là sont voués à lui en réalité. Mais voués à lui, ben oui, mais c'est lui qui... Oh. Mais c'est lui qui te soigne, tu étais fou, tu es devenu bien. Mais tu vas le croire, tu vas le prendre pour un dieu. Exact. Ensuite, il leur dit, allons vivre en forêt. Mais quelqu'un qui a fait deux mois, six mois fou, et tu me dis, allons vivre là-bas, mais est-ce qu'il va refuser? Il ne peut pas. Il repart juste dans son environnement. Mais c'est son environnement. Après, il leur met les couleurs, la couleur, il met le violet. Je vous ai dit, le violet, c'est la pénitence. Le violet, c'est la souffrance. Le violet, à la limite, avec leur tenue, ils vont accepter cette couleur volontairement. À la limite, ils ne vont jamais se révolter. Après, il prend Saint-Michel. Saint-Michel, c'est l'archange libérateur. D'accord? Donc, il a appris la mystique. Ntoumi, en fait, il connaît un peu la mystique Congo. Il connaît un peu le mouvement protocotiste. Il connaît un peu les tisanes et tout. Il mélange encore avec la foi catholique
l'adoration de Saint-Michel, parce qu'il y a des loges de Saint-Michel. Il y a des loges de Saint-Michel. Il y a des loges à Saint-Michel de Pointe-Noire. Il est fier de ça. D'ailleurs, je salue Papa Denis, voilà, qui est responsable de ce loge de Saint-Michel. Et c'est là, ce monsieur, il voulait être prêtre en Bamou. Ntoumi l'a connu. Il a appris le Michaelus. Le Michaelus, ça veut dire la puissance de Saint-Michel. D'accord? Et puisqu'il avait maintenant tout ce carcan, et Kolela aussi commençait à perdre un peu la notoriété, mais le mec, il a profité dans le syndrome Congo. Ntoumi, seulement, ce qu'on n'a pas encore appris, s'il est encore en vie, on entendra qu'il est Dieu. C'est tout ce qui manque. Non, mais il y a déjà les gens qu'il a sans doute manipulés, ces anciens miliciens que j'ai pu rencontrer ici en Europe, qui ont même eu Bangunda ou Anapoto, qui n'hésitent pas de le plébisciter comme un dieu. Ah, voilà. Donc là, vous m'informez, quoi. C'est le syndrome Congo. Donc là, Ntoumi, c'est un vrai Congo. Ça manque jamais. En Congo, quand il fait un petit miracle, il ne reconnaît pas que ce n'est pas lui qui le fait, c'est lui-même qui le fait. Il ne reconnaît pas que c'est Dieu. Après, il va s'autoproclamer Dieu. C'est ça le problème, en fait. Donc, Ntoumi, en fait, il a un peu ses connaissances. Il a appris un peu à gauche et à droite. Il a un peu appris le Bundudia Congo, même de Mwanantsemi. Mais Mwanantsemi, c'est un pacificateur. Il refuse Ntoumi. Mwanantsemi le dit tout haut que votre Ntoumi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Parce qu'il sait que s'il se mélange avec Ntoumi, Ntoumi, c'est un terroriste. On va aussi prendre Mwanantsemi pour un terroriste. Bon, Mwanantsemi, c'est un intellectuel, c'est un professeur de chimie. Donc, il a dit non, 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 je ne connais pas ce mouvement-là de Ntoumi, c'est pas de quoi. D'accord, il ne connaît pas ça. Du coup, Ntoumi, puisqu'au Congo, il suffit de faire son petit numéro pour être accepté, il a rassemblé ses bandes de fous. Après qu'il a mélangé avec des gens sérieux, qu'il a endoctriné, parce que Ntoumi, il est aussi un peu intellectuel, Ensuite, il est très intellectuel pratiquement, la sagesse, il sait manipuler les gens. Et Ntoumi, en fait, il fait que son business. Mais puisqu'au Congo, on a des vrais ignorants causés par l'évangélisation, des gens qui vont à l'église, qui va prier, il va dormir, il ne sait pas si sa prière a été acceptée ou quoi, mais quand il va chez Ntoumi, Ntoumi va prendre telle chose, il est guéri, ben on croit que Ntoumi, c'est un mystique. D'accord? Et quand il fait son petit numéro, il rassemble les gens, les fétiches et tout ça, ils font la guerre, ils font ci, ils font ça. Mais Ntoumi, si c'est un révolutionnaire, moi aujourd'hui, je ne peux pas brûler ma propre maison. Je ne peux pas me battre dans ma propre maison. Pour vous montrer que Ntoumi, c'est un manipulateur, tous ces dégâts qu'il fait, il fait ses dégâts où? Aux poules. S'il vient à Brazzaville, il va faire ses dégâts où? En Pisa, à Bakongo, dans son propre fief. C'est un aventurier. Si tu veux combattre, soi-disant, que toi, tu es un Congo, tu veux combattre les Nordistes, mon frère. Mais passe par Mpangala, va là-bas, va sortir à Oyo. On te voit. Il sait que là-bas, c'est un terrain neutre. Il ne maîtrise pas le terrain. On va là-bas, en fait, comme un chien. Ntoumi, il sait comment il fait ses numéros. Il sait, par exemple, quand il va faire des grimaces, qu'on va sortir, Botuanda. Il va se limiter à Mpisa, il va se limiter au pont du Doué, il va se limiter à Ngangalingolo, il va se limiter à Bakongo, il va monter un peu vers Potopoto. Potopoto sud, là où il y a le Bakongo, parce que Tantoumi, quand elle est, ils ne vont rien le faire. Mais demandez à Ntoumi d'aller faire un petit numéro à Mpila. Il va rencontrer les guerriers nordistes là-bas, ils vont le capturer. Mais en fait, c'est un manipulateur. Mais ce qui nous montre que c'est un rebelle, qu'il aille faire un numéro à Oyo, à Ouesso, à Ifondo, au lieu de nous bombarder. En fait, Ntoumi, à un moment donné, il y a une commission là au Congo, commission de la pacification des hostilités. Et c'est géré par Landry Kolela. Moi, il y aura un moment, il faut qu'on écrive à Landry Kolela, là, qu'il appelle ce Ntoumi, là, comme il est sorti, il est en train de construire une église là-bas, qu'on l'appelle. Qu'il réponde de ses... Moi, en fait, quand la gracie, il devait répondre de ses actes. Parce que là, il est en liberté. Dès qu'il y aura un petit mouvement, il va encore manipuler ces gens. Il va encore tout casser eux-mêmes. Et quand Ntoumi fait casser les choses, il n'y a pas que lui qui perd. Il y a moi, mes parents qui sont de Menouli. Il y a moi, mes grands-parents qui sont enterrés à Kinkala.
On vient bombarder à cause d'un individu comme ça et il fait mourir des gens à cause de ses bêtises. Donc moi, alors par exemple, là, viendra là, pour qu'on puisse élargir un peu sur cet individu, mais on va conclure parce que... Non, permets-moi en 30 secondes. En 30 secondes. Ça, je passe, c'est mon message que je demande à nos autorités congolaises, que je demande à au président de la commission de cessation des hostilités, c'est pas de quoi là qu'ils ont créé, qui est dirigé par l'André Colin. Que je demande aux évêques du Congo, pour que la paix soit aux poules, l'église que Ntoumi est en train de construire là, qu'on lui donne des terrains au nord, qu'il aille faire son église là-bas au nord. Parce que si son église est toujours aux poules, déjà c'est pas son village de Soumona, il a pris en otage tout un village. Mais son village, il est d'où lui? Ntoumi, c'est un chauve-souris. Il est ni animal, ni oiseau. Est-ce que qui connaît son village au poule, Ntoumi? Moi, je suis du poule. Qui connaît son village au poule? Ntoumi, on l'accepte comme Congo. Mais Ntoumi n'est pas congolais. D'accord? Comme Congo, dans notre royaume Congo, il est dans le royaume Congo, mais ce n'est pas un Congolais. Ntoumi, s'il faut le retrouver, il faut le chercher vers Manyanga, vers chez Mwanansemi là-bas, et c'est là où on peut retrouver son village. C'est qui son papa au Congo? Donc, Ntoumi est de la RDC. Alors, de la RDC comme au pays, mais il est Congo, dans le sens du royaume Congo. Pour moi, les Congolais de la RDC, le Congolais de Brazzaville n'existent pas. Pour moi, c'est le royaume Congo. Donc, Ntoumi, c'est mon frère Congo. Mais il n'est pas mon frère congolais avec C. C'est-à-dire, l'administration congolaise, Ntoumi n'est pas congolais. C'est comme dans l'administration congolaise, Norba de Paris n'est pas congolais. Mais il est Congo, dans le sens... Congo, Congo. Non, mais de parler aussi, c'est un Quinois. Oh, mais sans plaisir. Mais vers Luozi, non? C'est un homme de Luozi. Luozi, c'est la RDC. Pourquoi vous confondez les choses? Regardez, il y a la frontière. Non, je veux simplement des précisions. Moi, non, je ne veux pas. Attends, je ne veux pas qu'on puisse couper ça, qu'on lui envoie qu'il y a un prêtre qui a dit que c'est un homme de la RDC. Je vous explique bien. Le Royaume Congo a été séparé en 1884, c'est pas 1984, par la conférence de Berlin. C'est là où on a coupé, on a partagé l'Afrique comme un gâteau, d'accord? On a décidé que c'est là les frontières, c'est là les frontières. Donc, on a les frères, par exemple, quand vous allez au Poule, vers Mindouli, vous montez Mindouli, vers Miyamba, d'accord? Miyamba est à la fois Congo-Brazzaville, à la fois Congo-RDC. Est-ce que vous le connaissez? Voilà. Donc, Norma de Paris, il a subi ça. Dans quel sens? Quand on a découpé ses ancêtres, comme Mwanansé me dit qu'on avait même coupé comme ça, la frontière est passée sur la tombe d'un grand chef coutumier, la tête de la RDC, les pieds du Congo-Brazzaville. Donc non, bah, en fait, il est congolais administrativement, selon l'administration occidentale, il est congolais de la RDC, parce qu'il est un gars, ses grands-parents sont de Luozi. Mais vu qu'on a coupé, découpé comme ça, mais il est congolais de Brazzaville parce qu'il a des papiers. Mais s'il faut quand même tenir la rigueur, dans le sens que bon, le Congo, c'est la République du Congo. La RDC, c'est la RDC. Non, bah, il doit chercher sa famille en RDC. Ntoumi, il doit chercher sa famille en RDC, quoi. S'il faut suivre ce que le blanc nous a dit. Mais puisqu'on ne doit pas suivre ce que le blanc nous dit, on suit ce que nous sommes nous-mêmes, les Congos. Bon, Ntoumi, Binsamou, c'est notre frère. Voilà, Congo. Okay. Mais pas congolais. Bon, je trouverai sans doute le temps pour qu'on puisse revenir sur ça. On trouvera les thématiques propices pour qu'on puisse reparler un peu de ces choses-là. En conclusion, ces religions à caractère traditionnel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ce sont des religions à battre? Est-ce que ce sont toujours des religions à suivre pour le progrès véritable et propice de la foi en Dieu sur nos terres? En conclusion. En conclusion, c'est des religions qu'il faut suivre, mais pas les actuelles que nous avons là-bas. D'accord? Aucune religion traditionnelle africaine n'est vraie au Congo, en passant par les Matuanistes, Guy-Émile, Vuvamu, Ngunza Message, toutes ces choses-là. Il faut arrêter avec ces conceptions, vous voyez? Mais il faut vivre la vraie religion traditionnelle africaine, qui est une religion Congo, qui est une religion monothéiste, qui croit en l'existence d'un seul Dieu. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les religions traditionnelles que nous avons au Congo, ça donne l'impression que la religion Congo est une religion polythéiste. Par exemple, on a Guy-Émile qui s'autoproclame Dieu.
on a les matuanistes qui nous présentent Matthieu André comme Dieu. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui croient que la religion kimbanguiste Kimbangu est Dieu. Non, il faut vivre ces religions à la lumière de la vérité, d'accord? À la lumière de la vérité. Aujourd'hui, par exemple, à Point Noir, on a Malunga Mambala qui s'autoproclame le Kwatulendo. Ça veut dire le sauveur. Alors que Kimbangu avait dit que pour que le royaume Congo soit reconstitué, il y aura un libérateur qui aura les trois piliers. Le pilier spirituel, le pilier intellectuel et le pilier politique. Makuku Matatu. Balamba Masikimisa Congo. Il disait que cet homme-là, il n'aura pas un nom chrétien. Il sera intellectuel, il aura la connaissance intellectuelle, il aura la connaissance en politique, il aura la connaissance spirituelle, et c'est lui qui viendra ramener l'unité Congo pour que nous ayons la vraie indépendance spirituelle. Kwatulendo Malunga, moi je ne l'appelle pas Malunga Mambala parce qu'il va se prendre pour un dieu, on l'appelle Olivier, Olivier Malunga. Mais Olivier Malunga, il a refusé le nom d'Olivier simplement pour que la prophétie de Kimbangu soit réelle en lui. C'est-à-dire, les Congo, vraiment, on a un syndrome, je ne sais pas comment ces gens sont. Vraiment, merci, Nsambo. Voilà. C'est un syndrome Congo que nous devons détruire. De toute façon, ton livre que tu es en train d'écrire, Le syndrome Congo, sera le livre que je vais lire avec plaisir et que je vais aussi demander à mes frères congolais d'acheter parce que je crois que tu vas essayer d'apporter quelques réglages peut-être historiques, non pas seulement, mais aussi très meilleurs pour la foi en Dieu. La jeunesse congolaise aujourd'hui est livrée elle-même dans ces moments de la foi en Dieu parce qu'avec ces religions africaines, on se rend bel et bien compte que le danger est notamment énorme. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes? Vraiment, c'est le message de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes? Alors, à ces jeunes, ben, moi je dis à mes jeunes, à mes frères, à nous jeunes, à mes très chers grands frères, aînés, frères et sœurs, profite de saluer Garel, gouverneur, avec Yaya Franck et toutes ces personnes qui nous suivent. Tout ce que je veux dire, c'est la prophétie de Michée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Au Congo, nous avons besoin de la lumière. Ceux qui nous ont colonisés nous avaient donné les tuyaux. D'accord? Le blanc, quand il fait des choses, il vous donne les tuyaux. L'hymne national dit tout. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. Mais c'est la prophétie. C'est bâtard de formation qui avait composé cet hymne-là. Il savait que c'est ce que nous vivons. Parce que. C'est qui avait composé ça? C'est un franc-maçon qui a composé l'hymne national du Congo. Ah non, il ne faut pas me créer des problèmes avec les francs-maçons, mais c'était un franc-maçon. D'accord, qui avait composé ça. Ce n'est pas un Congolais qui avait composé ça. C'est venu de la France, cet hymne. Ce qui avait composé l'hymne national du Congo, ce n'est pas un Congolais. C'est la France qui nous a proposé l'hymne. Vous tapez sur Google, vous allez voir son nom et vous allez voir s'il était franc-maçon ou pas. Après, dire de quelqu'un qu'il est franc-maçon n'est pas insulter une personne. Voilà. C'est sa croyance. Voilà, c'est une formation qui avait composé ça et c'est les prophéties pour moi. Il avait bien dit. Okay. Quand ce jour, le soleil va se lever, d'accord? Et le Congo va resplendir. Une longue nuit va s'achever. Voilà. Et après, il dit quoi? Congolais, debout, fièrement, partout. Proclamons l'union de notre nation. On nous a donné ce que nous devons faire. C'est comme pour mes amis de la RDC, eux encore, que le blanc a bien gaspillé. Alors, chez eux, en RDC, je vais conclure par là, ils ne vont jamais s'entendre à la RDC. Actuellement, ça a commencé encore. L'épisode de Tshombe, ça a encore commencé. Hein. Si vous suivez l'actualité, il y a une princesse katangaise qui a insulté les Baluba. Elle a dit que les Baluba, ils mangent les chiens, alors que chez nous, on ne mange pas les chiens. Ça a encore ressuscité un problème. Actuellement, ça bouillonne en RDC. La RDC, ah ouais. Le Katanga encore, commence encore à demander
son indépendance. Pourquoi? Le prophète et ces formations-là qui avaient composé leur hymne national, ils disent quoi? Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le fort. Ils sont unis par le sang. Pour qu'ils soient unis, le sang doit couler pour qu'ils soient unis là-bas. Le blanc a bien dit que vous êtes unis par l'effort. Ça veut dire que vous devez faire l'effort de vous unir parce que vous n'êtes vous êtes pas un seul peuple. Il leur dit, vous êtes unis par le sort. Par le sort, c'est quoi? Mais c'est la conférence de Berlin qui avait coupé. Bon, vivez là-bas. Voilà pourquoi la guerre de Béni ne va jamais finir. La guerre à l'Est ne va jamais finir. Parce que c'est des peuples qui ne sont qui n'ont pas les mêmes coutumes. Quand vous prenez le Congo central, c'est le Bakongo. Quand vous prenez le Katanga, c'est les Katangais. Eux, ils coupent avec des machettes. Les Bakongo sont les loups. Mais vous prenez, comme avait dit Mwanasemi, un peuple qui a été créé pour ne pas vivre ensemble. Vous les mettez ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous prenez le Sakasaka avec les moutons, vous mettez, mais ils vont s'entretuer. On a encore infiltré les Rwandais, nos frères bantous rwandais, qu'on a mis à Minembwe. Mais les Rwandais, pour tuer, vous connaissez le génocide. Nkakulu, la machette, ils ne rigolent pas avec. Exactement, oui. C'est le blanc. En fait, le problème, mon grand combat, quand je vais finir ce livre, on doit reconstituer notre continent, on doit reconstituer nos pays. Le blanc qui avait fait la conférence de Berlin en 1984 pour couper le pays comme s'il partageait un gâteau, cette fois-ci, comme il y a Poutine qui est en train de réclamer l'Ukraine, nous aussi, non, je dois bien dire ça, sinon on va me convoquer comme un terroriste, mais nous aussi, nous allons demander à la France, à notre chère France, à notre cher président qui sera élu, mais de nous restructurer nos pays comme c'était, quoi. Ouais, comme c'était. Merci Nsangou pour ce temps que tu as réservé de nous partager ta connaissance, de plébisciter toujours l'importance de ces débats qui ne sont pas moindres parce qu'à travers ces débats, tu nous partages ton intelligentsia. Merci vraiment, on garde le contact. À la prochaine thématique et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci.